qui sommes une agence média, c'est de la qualité des forces de vente que va dépendre notre capacité à identifier les bons médias, les bons supports pour, in fine, toucher les consommateurs de nos clients. Donc oui, c'est crucial d'avoir des gens en nombre suffisant, mais je dirais encore plus important, de qualité suffisante pour nous expliquer comment tel ou tel média répond à une problématique client. Les médias, autrefois, c'était assez simple, hein. Il y avait la presse, la télé, la radio, l'affichage, le cinéma, et puis voilà. Aujourd'hui, c'est extrêmement sophistiqué. Vous avez le digital, vous avez le digital sur mobile, vous avez le digital sur mobile sur des réseaux sociaux. Vous avez aujourd'hui des journaux qui sont sur des réseaux sociaux sur mobile. Donc, il est évident que la capacité que va avoir une force de vente à prodiguer les bons conseils en expliquant pourquoi tel type de cible est mieux touché de façon plus quantitative, mais aussi de façon plus qualitative, par son média ou par un groupe de médias ou par une solution packagée, ben effectivement, c'est essentiel pour nous. C'est-à-dire que notre conseil dépend de cette information-là. Donc, j'ai envie de dire que nous aussi, on a besoin de conseils. Ce métier a radicalement changé. C'est pour ça qu'une formation de nouvelle génération paraît si importante. On a besoin d'avoir des gens qui parlent data, des gens qui parlent technologie, des gens qui parlent marketing. C'est vrai que c'est des profils qui doivent maintenant être, si j'ose dire, de bien meilleur niveau qu'il y a des années.